Salaamaaleykum wa rahmatulah. Ñu leen di nuyu, di leen jaajëfal ci li nga xam ne li ngeen taamu ci docteur Diop l'Officiel sur Facebook et docteur Coach sur YouTube pour vous informer par rapport à li nga xam ne moom mooy des astuces concernant votre santé. Alors fan yéene weesu ñu ngi doon waxtaan ak yéen ci li nga xam ne moom mooy jafe-jafe pour am doom. Gannaaw ba suñu rubrique bi ñu defoon un mois un abonné, ñu recevoir benn dame boo xam ne trentaine dafa amoon jafe-jafe pour am doom. Voilà, bokk na ci yi nga xam ne moom mooy jafe-jafe yi moom mooy xam de exactement la mooy sa cycle. Donc tey jii nii nii moom moo tax moom ñu ñëw pour matalee suñu émission mu tey concernant comment calculer déjà durer sa cycle. Bu weesoo loolu noonu moom mooy bu amee cycle bu irrégulier nan ngay def ba xam sa période féconde. Bu weesoo loolu tamit nan ngay def ci biir li nga xam ne mooy période féconde nooy def ba xam sa jour d'ovulation. Alors pour ceux qui viennent de me découvrir hein, parce que c'est ce qu'ils viennent de me découvrir, voilà. Bokk ngeen ci ñi nga xam ne suñu borom defal na leen tawfiix ba ngeen am chance ba découvrir ma. Alors moi c'est docteur Diop, je suis docteur en médecine, entrepreneur et en même temps coach en développement personnel. Ñu ngi leen déjà féliciter par rapport ak le fait que ngeen cliquer ci vidéo bi pour pouvoir vous informer. Maintenant tay jii dañu fi dajale comme ni ma leen ko waxee woon sànq moom mooy lan ñu xam li nga xam mooy période féconde. Une dame boo xam dafa am période dafa am durée cycle bu irrégulière. Alors dame bi ñu jël dafa am cycle irrégulier comme je disais tantôt hein. Premier mois bi on se rend compte que cycle bi c' était de 24 jours, deuxième mois bi cycle de 30 jours, troisième mois cycle de 28 jours, quatrième mois cycle de 26 jours, cinquième mois cycle de 27 jours, sixième mois cycle de 25 jours. Vous voyez que cycle durée bi dafay changer d'un mois à un autre durant les 6 derniers mois. Alors nan lañuy def ba calculer li nga xam ne tey jii ne moom mooy cycle bi. Cycle bi ni ñu def ba calculer moom mooy lan, comment calculer déjà la durée de son cycle menstruel. Cycle bi pour que ñu calculer ko dañuy jël fan wu njëkk bi nga xam ne moom lañ jëlee moom lañu am gisee règle. Fan wu njëkk woowu noonu premier jour des règles moom lañuy jël compter ko ci jour boobu noonu ba jour bi dellu si waat. Maanaam buñ tàmbalee gis règle le premier dañuy compter ba règle bi dellu si waat ñu def total boobu noonu loolu moom mooy wane nombre de jours bi nga xam ne suñu cycle moom lay durer. Donc noonu lañ def ba calculer dèjà jours yi ngeen fi gis nii. Alors ñu dugg li nga xam ne moom mooy le vif du sujet. Dèjà bu amee koo xam dafa am cycle irrégulier pour ñu xam période féconde il faut que dèjà ñu gannaaw ba ñu répertorier durant 6 mois nombre de jours cycle. Maintenant dañuy déterminer dèjà jour cycle bi nga xam ne moom moo gën a ndaw ak cycle bi nga xam ne moo gën a mag. Buñ xoolee chez cette dame là cycle bi gën a ndaw 24 jours la, cycle bi gën a mag 30 jours la. Alors ñu démarrer li nga xam ne moom mooy 24 jours pour xam maanaam bu dee cycle 24 jours kan ne période féconde bi fan la toll. Ñu jël bu ñu xoolee fii dèjà dañoo def un cycle de 24 jours, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Buñ jëlee lii moom mooy cycle bi gën a ndaw mooy 24 jours. Maintenant dañuy calculer à partir de cycle bi gën a ndaw bi nii ban lan mooy jour ovulation bi ah. Encore une fois booy xam sa jour ovulation da ngay jël li nga xam ne mooy durée du cycle bi nga dindi ci li nga xam ne mooy 14. Maintenant le chiffre boobu ngay am moom mooy correspondre ak jour de l'ovulation. Maanaam boo wàññee ba jour bi nga xam ne moom mooy tombé ak jour boobu noonu moom mooy correspondre le jour de l'ovulation. Maintenant buñ jëlee exemple 24 jours cycle 24 jours on va prendre 24 ñu dindi ci 14 yi ngeen wax 14 bi ça va donner 10 jours.
Donc, dixième jour, qui cycle, on a un cycle de 24 jours, dixième jour, cycle de 24 jours, moi, il correspond au jour de l'ovulation. Quand on calcule les filles, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, donc, dixième jour, 10. Dixième jour, 10, moi, il correspond au jour de l'ovulation. Bon, à mes lignes, comme le jour de l'ovulation, pour comme les périodes fécondes durant les comme le moment 24 jours, toujours, même la période féconde, il faut mettre 3 jours avant l'ovulation et 2 jours après l'ovulation. 3 jours avant l'ovulation, donc 10e jour déjà mon ovulation, 3 jours, il n'y a que 9, 8, 7. Donc 3 jours, le 7 est tambalé. Le 7 est mini. Maintenant, 2 jours après l'ovulation, il n'y a que 11, 12 à 12. Donc période B. Cycle de 24 jours, période bi moy période féconde. Ah, on bindou ko en bleu comme ça mo gëna leer. Période bi moy période féconde. Période féconde. Période féconde ci cycle bi. Maintenant tamit toujours cycle irrégulier bien buñu faté hein. Ñu xol après buñu wéss aussi parce que waxna len ko sank. Dañuy xol cycle bi nga xamné mo mo gëna touti. Ak cycle bi nga xamné mom mo gëna reuy donc def nañ calculer nañ cycle bi nga xamné mo gëna touti xamné ni jour de l'ovulation bi mom moy nek 10e jour du cycle donc mom lañ matérialiser fi période féconde bi mom mo nek 3 jours avant l'ovulation ak 2 jours après l'ovulation donc période féconde bi ça va du 7 jusqu'au 12 maintenant on va faire de même avec un cycle de 30 jours 30 jours déjà on va mettre ici en plus plus donc 30 jours bu bëggé am 30 jours dañ ci yok 7 6 de moins 1 2 3 4 5 6. Alors 6 jours là, 6 jours plus 24, donc on aura ici 25, 26, 27, 28, 29 et enfin 30. Pour retrouver les ramener, mon monnaie que jour de l'ovulation sur un cycle de 30 jours. Donc on fera toujours 30 moins 14. 30 moins 14 moins du jour, le jour de l'ovulation. Donc on aura le 16e jour. Le 16e jour du cycle de 30 jours, on va correspondre au jour de l'ovulation. Donc, nous calculons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc, le 16 bi, le 16 qui va correspondre au cycle 30 jours, le 16 va correspondre au jour de l'ovulation. Comme nous l'avons dit, si vous avez le jour de l'ovulation, va pareil. Nous avons ñetti fan avant le jour de l'ovulation et ñaari fan après le jour de l'ovulation période bobu non la femme elle est féconde donc toujours nous matérialiser ko on a 1 2 3 donc 13e jour ensuite 2 jours après 17 18 18e jour donc sur un cycle de 30 jours la période féconde elle se trouve au niveau du 13 au 18 au moins période où les animaux ont fait conduire les matérialise aussi période féconde alors quand on va matérialiser les lignes comme le moment ici que bigan d'au moins 24 jours ainsi que bigan mac moins 30 jours c'est une période féconde maintenant bon on relève petit cycle de 24 jours c'est du 7 au 12 petit cycle 30 jours c'est du 13 au 18 maintenant vous pouvez faire exactement la période féconde qui femme bi nga xamné cycle da fay varier de 24 jusqu'à 30 maintenant c'est cette zone là ça va du 7 jusqu'au 18 donc du 7 jusqu'au 18 du moment période féconde période féconde finale de cette dame avec un cycle qui est irrégulier. Vous voyez, le calcul est un peu efficace, mais quand même, c'est pas trop difficile. Vous pouvez le faire à partir de chez vous en regardant juste vidéo. Vous avez texte une feuille, vous avez une dessin cahier, vous avez une dessin portable. Donc, vous faites la même chose pour pouvoir connaître exactement votre durée de cycle. Vous avez cette durée de cycle pareil. Vous avez une durée de cycle, vous avez cette période d'ovulation. Vous avez une période d'ovulation, ensuite vous avez une période féconde. Une fois que vous avez une période féconde, vous savez quand vous pouvez vous faire avec votre cœur pour augmenter votre chance pour dire que vous avez une grossesse.
C'est une technique qui est assez simple, hein. Le calcul il est assez simple. Il faudrait juste gagner une durée de cycle. Après le reste, ça va venir de lui-même. Hein. Insister, hein. Déjà, gagner abonné. Si l'inga hamne moi cloche bien d'église, appuyez sur s'abonner. Ensuite, vous appuyez sur la cloche pour ne pas rater ce que vous savez sur les vidéos de Google sur notre chaîne YouTube Docteur Coach et ce que vous savez sur le Docteur Babacar Diop l'officiel qui est sur Facebook. Encore une fois, on vous demande à avoir les bons réflexes et à prendre soin de vous pour pouvoir augmenter vos chances de prendre une grossesse durant les jours à venir. Si vous avez des questions et suggestions wala lo xamné leer dama tay bi mën ngeen laisser en commentaire ci souf sen jaax lé bu ko défé après inshallah dinañ ci répondre. Maintenant bu wéso lolou tamit budé am ngeen ci sen cycle lén lo xamné bëgg ngeen ko cey xam tamit bay lén commentaire ci souf rek dinañ leen jappalé ba ngeen mëna xam li nga xamné mom moy sen période féconde. Encore une fois, prenez soin de vous et bien des choses à votre famille. Ciao ciao, merci.